31 décembre, 10h moins quart, on rentre sur Victoria. Yes! Oh! Mon voisin est parti du chalet. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un à l'arrière de la dame. La dame n'a pas bougé non plus. Il y en a deux là. Celui-là aussi. Hey, bonne journée tout le monde. Je suis à Delta. C'est un 31 décembre. On défonce l'année ce soir. Je suis près du ferry pour aller à Victoria. Wow! À matin, il fait 6 degrés en se levant. Bonne journée, tout le monde! Quelques commissions au Walmart, une coupe au Dollarama, puis ensuite, on s'en va en ligne pour El Ferry. J'ai pas de réservation. On va voir si ça embarque et comment ça embarque. On est dans la brume ce matin pour prendre le ferry. On est voulu rendu au ferry. Véhicule, drop-off et parking. On va prendre véhicule. Victoria ou Nanaimo? Which one? Je pense que on va rentrer par Victoria. On rentre à Victoria. Non, Nanaimo. Nanaimo. Je mesure 27 pieds avec mon trailer et ça m'a coûté 118,60. Oups! Là, je suis en train de m'envoyer. Il m'a pas dit la machine. Je vais aller avec la dame. Je pense que c'est là. J'espère que c'est là. J'ai pas écouté à moitié. J'étais trop pressé d'y souhaiter une bonne année. Ouais, à hauteur que j'ai, c'est sûrement la rangée 21. Si je me souviens bien, il y en a 43 parce qu'il y a un paquet d'îles sur le Pacifique, dont Victoria, la Bigorre.
a débarqué du monde dans deux endroits, puis en rembarqué aussi. Mais là, on arrive à notre point. Nanaimo. Quatre stops qu'on fait, je suis toujours sur le ferry, j'ai pris la run à l'île. Mais c'est pas grave, hein. On fait du bateau. C'est la journée de la croisière, je pensais aller plus vite que ça, sur celle-là de 2 heures, mais ça va être plus long. C'est pas grave. Mais j'approche du but, là. Ça sent bien. Là. On arrive à un nouveau port. J'espère que c'est Nanaimo, mais je suis pas sûr parce que selon moi, j'ai 60 km à faire si je regarde mon GPS. J'aurais peut-être été mieux de regarder comme faut mes régimes parce que je pense qu'il y avait un bateau qui se rendait directement. Puis là, j'ai pris vraiment la croisière pour m'amuser. Ben, mais je m'amuse pas pantoute. Aïe, là, c'est vite, je vais aller vous montrer ça. Il reste moi et le campeur, puis l'autre côté. Je pense qu'il y a juste ceux qui ont embarqué pour repartir puis quelques passagers, c'est ça? Autrement dit, je suis le dernier arrêt. Mais c'est beau, asti que c'est beau. Alors, regardez-moi ça, du vert partout. Style en avant, tout. Ça reste un 31 décembre au Canada. C'est sûr, c'est pas à Floride, tout. Hey, je peux pas croire qu'on débarque. Oh, Pierre, j'y vais. J'y vais à Saint-Dicenne. Wow. Mais j'espère qu'on débarque ici. Là. On est deux derniers à être sur le bateau.
on est dans le même mot. On est rendu. Ouh, il y a des beaux bateaux. Hey. Là, il faut que je trouve une place pour arrêter, mettre mon GPS pour Victoria. Là, je suis sur Salt Spring Island. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il va falloir que je prenne un autre traversier. Mais il fallait que j'arrête parce que ça me rappelle trop mon voyage en Irlande. Pas que c'est pareil, mais vous voyez ici, là, excepté en Irlande, c'était plus haut, là, des fences de même, de vignes puis de fafouins, là. C'était plein de ça. Ça sent, là, ça sent le feuillage, là. Puis regardez les arbres, si c'est spécial, c'est des cèdres, mais des cèdres pleureurs, disons. Puis c'est vert. Tu sais, c'est vraiment spécial. Là, je m'en vais, mais j'ai l'impression que j'ai un autre ferry à prendre. Je suis pas rendu à Victoria encore. C'est bien ça, un autre ferry. Je viens de débarquer. Ah, il s'en va pour moi. Non! Reviens! Oh! Oh! Hey, je pense que c'est mon ferry qui s'en... Non! Reviens! Reviens, gentil ferry! Je peux pas croire. J'ai un autre ferry à prendre pour me rendre à Victoria. Ils m'ont débarqué sur un bout de l'île de Salt Spring Island. Puis pour moi, j'avais quelques minutes pour traverser. Puis ensuite, c'est... Ben voyons donc. Puis je pense que le bateau est parti. Quoi que ça serait pas un gros problème de coucher ici à soir. Moi, à marcher comme je couche partout. Mais c'est juste qu'au prix du billet... J'aimerais autant, si mon billet serait bon demain, je m'en fous de dormir ici. Même, c'est pas juste dormir, là, c'est défoncer la nuit. Bon, on va voir. Il va falloir que je retrouve mon billet. On s'en voit tantôt. J'ai une compagnie, hein, fait que toutes mes reçus. Ça, c'est mes reçus du mois. Attendez un peu, là, vous ne voyez pas. Ça, c'est mes reçus du mois. Fait que c'est ma boîte que j'envoie à mon comptable. Et là, ben, il faut que je retrouve mon reçu de ferry. On va chercher. Que je rentre par Nanaimo. D'habitude, j'ai toujours rentré sur l'autre côté par Victoria. C'est la Ronalais, c'est vrai. Asti que c'est beau ici. C'est certain que je vous ramène ici, mais pas avec le trailer. Là, je vois. Là, il faut que j'arrive à Victoria, là, enfin, à atteindre mon goal. Et après ça, je dépanne le trailer et on va se promener. Et là, on commence par arriver à cette étape-là. We'll be right back.
Ouais, ben, ça va avoir été une journée à faire du bateau. Franchement, là, ouf! Je suis pas tanné de conduire, je suis tanné de naviguer. Je m'attendais pas à avoir un step à Salt Spring Island. On arrive au ferry, il nous reste peut-être 50 pieds, puis il descend de la palette. Et on décrisse à Victoria. Et oui, on arrive enfin. Oh. Je ne sais pas lui, il va où, mais il est gros en tabarnak. C'est plus gros que le bateau des îles, ça. Les îles de la Madeleine. Wow! Méchante chaloupe! Enfin, on roule! Fini les traversiers pour aujourd'hui. Là, on fait attention avec le trailer, la palette. OK, c'est passé. Direction Victoria. Là, je m'approche. Wouh! Ah, je suis content. Hey, ça reste que c'est un palmier de peau. Mais j'ai des palmiers, hostie. Ça reste pareil, il y a des palmiers. Hey, je suis dans le sud. Étape suivante, aller me séparer de l'amour de ma vie. Je m'en vais dépiner mon trailer. Ouf, que ça va être bon rouler sans tout le temps regarder dans les miroirs. Il y a une commande qui est rentrée, donc pas le choix. Je vais aller au Walmart chercher ce qui me manque, mais ça fait bien d'avoir mon trailer parce que j'aurais été prêt pour retourner à Vancouver pour faire cette commande-là parce que c'est de quoi d'assez gros. Je vais au Walmart pour ça. Ensuite, je vais aller au McDo pour m'acheter deux cafés pour mettre dans mon thermos parce que le 1er janvier, à moins que je parte ma machine. Peut-être que non. C'est donc la fin de la journée, la fin de l'année. Et oui, pour moi, c'est le 31 décembre au soir. J'étais Victoria. J'ai atteint mon but. Je vous souhaite que 2021 soit merveilleux. Que ça soit vraiment meilleur que 2020. Pour moi, la vie continue. On se voit demain pour un autre épisode de Dodge Falia. Là-dessus, ciao bye. Je mange ma sardine, puis je vous explique demain pourquoi. Ciao bye!
Bon, il est minuit. On entend les feux d'artifice un peu partout. J'ai ma canne de sardine. Ça, c'est la vidéo de demain. Je vous explique ça. Bonne année, tout le monde. Et une tradition que je fais depuis bientôt 30 ans. Et je déteste la sardine. Bonne année. C'est tout simplement dégueulasse. Mais l'an prochain, je suis certain que vous allez faire la même affaire. J'ouvre le champagne. Ciao, bye. Bon, ben, bonne année tout le monde. 2021. En espérant que ça soit vraiment mieux. Bonne année.